Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ce qui s'est déroulé à l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa qui a clôturé sa saison sportive 2019-2020 en beauté, sans incident, tout en primant les meilleures équipes, athlètes et arbitres qui se sont distingués au cours de la 50e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa. Nous, les volleyeurs, nous nous sommes décidés de ne pas laisser cette année blanche. Il était question que nous puissions organiser une compétition tout en respectant les gestes barrières. Et je tiens à remercier le président de l'entente de volleyball qui a accepté de pouvoir organiser ce championnat. Le championnat a démarré, le championnat vient de se clôturer sans aucun incident majeur. Pour la capitaine de Vesenou Laloi, l'objectif était de remporter la première place, chose qui n'a pas été faite, mais promet à y arriver la saison prochaine. Je suis vraiment heureuse parce qu'on est là, deuxième. On est dans le début. Mais on croit qu'on peut donner le meilleur. À savoir, Vesenou Laloi conserve le titre de l'équipe championne dans la version féminine senior, suivie de VC Cano, et chez les hommes, c'est le VC Espoir qui a remporté la coupe. Tandis que chez les cadets, c'est le VC La Grâce qui occupe la tête. New Laloi deuxième, Ouragan est sacré champion chez le Messier Junior. Jolie Moukadi, athlète de VC Police, a reçu un brevet et une coupe pour avoir accompli 32 ans de pratique de volleyball. Signalons que c'est par un match de loisirs vétérans que cette journée a été ouverte.